Ces néo-féministes-là s'arrogent scandaleusement le droit de parler au nom de toutes les femmes. Pour moi, la question fondamentale est d'en finir avec les meutes hurlantes dont notre époque s'est montrée si féconde. L'ampleur de la révolte féminine de femmes comme Louise Michel, comme Flora Tristan, se trouve canalisée, caricaturée dans les limites d'un corporatisme sexuel qui nivelle toutes les différences pour imposer la seule différence des sexes. Alors c'est pourquoi j'ai parlé de néo-féminisme par opposition au féminisme, dont le souci majeur était justement d'en finir avec tous les ghettos des femmes entre elles. Ce que j'appelle le néo-féminisme trouve sa force dans le nombre et dans la similitude. Pour parler au nom de toutes les femmes, on cherche à effacer l'individualité de chaque femme comme on a toujours cherché à effacer l'individualité de chaque femme et aussi de chaque homme, indifféremment, au nom de Dieu, de la famille, de la patrie et même de la révolution. Les différentes solutions collectives de ce siècle, en fait, du genre ou fascisme ou stalinisme, etc., nous ont au moins appris quelque chose, c'est qu'on n'est jamais assez délicat quand le nombre est brandi sous prétexte d'anéantir l'individu. Les féministes actuelles, sous prétexte de libération, incitent les femmes à se rassembler pour endosser l'uniforme de leur sexe. Ces néo-féministes-là s'arrogent scandaleusement le droit de parler au nom de toutes les femmes. Et qu'en parlant au nom de toutes, elles en viennent à exercer un pouvoir idéologique. Ce livre est un appel à la désertion en général et en particulier des rangs du militantisme féministe. Parce que dans militantisme, il y a le mot militaire, et que pour ma part, je serai toujours du côté des déserteurs contre les armées en marche. Vous admettez que c'est un pamphlet. Vous êtes dur avec les. Ce que vous appelez néo-féministes, vous les appelez oui. Staliniennes en jupon. Vraiment. Oui, oui, oui. Non, mais fondamentale est d'en finir avec les meutes hurlantes dont notre époque s'est montrée si féconde. À instaurer ce climat de récrimination continuelle, de suspicion systématique de l'autre, parce que ça, tout ce que vous avez dit, il y a quand même une suspicion systématique de l'homme, n'est-ce pas, vous ? Et alors on en vient à refuser aux hommes et aux femmes le seul moyen qu'ils ont ici et maintenant de subvertir la misère des rapports humains, car on les dissuade insidieusement de se rencontrer, voire de s'aimer. Et ça, pour moi, c'est criminel. On assiste à la mise en place d'une idéologie totalitaire en trois temps. Alors, premier temps, n'est-ce pas, on désigne l'ennemi commun, c'est l'homme, qui est considéré comme la négativité absolue. Et c'est un véritable terrorisme de la féminitude, parce que je sais qu'il y a des femmes qui luttent réellement et qui sont scandalisées devant tant d'impostures et de sottises, mais qui ne le disent pas. Au nom de la cause des femmes. Alors ça, pour moi, ça c'est le terrorisme idéologique, ce genre de silence. Vous allez jusqu'à dire que le néo-féminisme est une gigantesque entreprise de crétinisation. Oui, oui, parce que par exemple, c'est justement là, tout à l'heure, vous avez assez habilement, je disais à la limite, éludé le passage qui concerne la censure dans le programme commun. Moi, je trouve ça assez grave, parce que quand on dit que les livres et l'histoire et la littérature vont être strictement, je ne sais plus la formule exacte, mais vous pouvez la contrôler, vont être strictement contrôlés. L'enseignement aussi, strictement défini. Oui, mais à en juger par ce que j'appelle les néo-féministes, nous ont déjà donné comme échantillon dans les purges, c'est Sade, c'est Baudelaire, c'est Lautréamont, c'est Miller, c'est Bataille, et puis c'est aussi Freud, c'est Breton, c'est Novalis qui vont tomber sous les coups de la bêtise militante. Il y a en France une loi qui punit toute propagation, tout propos, toute image, tout film qui est raciste. C'est interdit d'avoir un propos raciste.
Personne n'est venu dire ici, mais dites donc, la censure, vous lui portez atteinte, car après tout, on peut être antiraciste avec énormément de talent. Et au nom de la culture, on doit laisser parler aussi les racistes. Ce que je veux dire, c'est que notre proposition, elle n'est pas tellement originale. Je vais vous dire ce qu'on a fait, les juristes. On a pris la loi sur le racisme, qui peut dire, et on y a ajouté, justement, quand ça porte atteinte à la dignité de la femme. Si vous voulez, on a mis sexisme, en gros, au lieu de racisme. Le problème, est-ce que c'est pas ennuyeux de mettre sexisme à la place de racisme? Est-ce que c'est bien équivalent? Mais c'est ennuyeux pour qui? Les femmes ont envie, justement, de conquérir leur droit à la dignité et au respect.